Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul action. Ça fait super longtemps que je n'y suis pas allée. Franchement je pense que vous l'aurez remarqué sur ma chaîne. Les haul action c'est de temps à autre. Il me semble que je vous en ai proposé un au mois de septembre. Et là on est au mois d'octobre. Avant j'y allais 3-4 fois par mois. Et là bah, j'y vais il me semble une fois par mois. Et je suis trop contente parce que franchement tu rentres toujours pour un truc en particulier, tu ressors toujours avec un sac plein, tu prends plein de trucs et j'avoue que j'ai plus envie d'entasser à la maison, ce qui fait que voilà, j'ai un besoin de minimalisme et j'ai pas envie d'acheter pour acheter. Bref, donc pour vous dire que je n'ai acheté que ce dont j'avais besoin, il y avait pas mal de petites décos super sympas pour l'automne, mais j'avoue que moi je trempe pas là-dedans, je suis pas très déco selon les saisons et tout, franchement. Je trouve que c'est de l'argent jeté par les fenêtres parce que voilà, t'es obligé de changer toutes les saisons. Donc bon, pour le moment ça ne m'intéresse pas, mais après il y a que les ânes qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Donc je me suis pris un petit sac comme ça. D'ailleurs, ils ont bien fait de sortir des petits sacs comme ça. Ça change, hein, parce que quand j'ai ouvert mon coffre, il n'y avait plus un seul cabas. Alors que Dieu seul sait combien j'en ai. Enfin bref. On va commencer de suite. Dans un ordre pas précis, hein. J'ai pris deux articles pour le téléphone. Ah oui, et je vous mets bien évidemment, comme d'habitude, ça ne change pas les prix au fur et à mesure. Donc j'ai pris deux articles pour mon téléphone parce que j'avais pris une coque chez eux. Ils ont des magnifiques coques, je me rappelle plus de la marque. Par contre, il n'y a pas l'iPhone 12, j'ai la haine. À chaque fois je cherche, il n'y a pas. Par contre, leurs coques, comme ça, vous voyez, elles sont vraiment cracra, quoi. Elles sont mates, du coup, moi je cuisine beaucoup, je prends les photos avec mon iPhone. Et je trouve que voilà, ça salit très vite. C'est pour cela que j'ai opté pour celle-ci. Alors, ils ont mis une carte. Ah ouais, d'accord, tu peux mettre ta carte. Ouais, ben moi, ce sera sans... je vais pas mettre ma carte ici. Mais si ça vous intéresse, vous avez un emplacement pour la carte bancaire. Dans l'iPhone, dans le wallet, en fait, portefeuille, vous pouvez enregistrer directement vos cartes bancaires, ce qui fait que vous pouvez payer sans contact au-delà de 50 euros, hein, avec votre téléphone. Moi, c'est ce que je fais déjà. Donc voilà, une transparente un peu foncée, comme ça, je pense que ce sera beaucoup plus simple à nettoyer que celle-ci. Ensuite, je me suis repris un protège-écran, parce que celui que j'avais pris chez Action également, eh ben, il est sombre, vous voyez, et celui-ci, il est clair. Voilà. Je me suis pas trompée, non, j'ai eu peur. Donc c'est pour tout ce qui est iPhone XR 11, 12, 12 Pro, 13 et 13 Pro. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, j'ai repris mes petits galets là de nettoyage pour la machine parce que j'en avais pratiquement plus. Ça fait un moment que j'en avais plus acheté. J'avais fait un stock. Donc c'est les pastilles anti-calcaire. C'est super important parce que chez nous, l'eau est très calcaire. Et au moins le faire une fois par mois. Au moins. Voilà. Et vous avez eu 8 pastilles et c'est toujours 2 par 2. Ensuite, je me suis repris des emballages, en fait, des petites poches zippées. Parce que voilà, j'en ai toujours besoin, que ce soit pour les goûter, pour y mettre des légumes, des fruits, des goûters, etc. Voilà, donc j'ai pris 3 tailles. J'ai pris le 27x30, ça c'est les plus grandes. Et j'aime bien mettre ma viande hachée, en fait, à l'intérieur. Et après, je pré-découpe sur le plastifié. En fait, je fais que des empreintes. Et je divise en 3 ou en 6. Comme ça, au moins, je sors que ce qu'il me faut en termes de viande, parce qu'on a décidé, voilà, de se restreindre un petit peu. Ensuite j'ai pris, ça c'est pas de la même marque, c'est de la marque Formidi, j'ai pris le 25x08, c'est ça, hein, je me trompe pas. Ah non, mais il y a 2 tailles dedans, et il y a le 25x02, ok. Et ensuite j'ai pris les 17x20, ça c'est bien pour les goûter. Voilà pour ça. Ensuite j'étais à la recherche de noix pour pouvoir me faire un carrot cake. Il me semble que j'ai jamais testé cette recette, j'en ai déjà mangé chez Starbucks, au passage c'était supra dégueu, enfin c'était bon hein, mais c'était trop sucré. Donc là je me suis pris le paquet XL de noix, je vous proposerai du coup une recette au TM6 et je me suis repris mon mélange que je kiffe ça pour la salade et pour mon granola, voilà parce que je l'ai terminé dans mon granola, hein, parce que j'aime bien en salade mais plutôt en été. Ensuite j'ai enfin pu retrouver ces fameux torchons, donc je fais petit à petit un petit plein, hein, parce que souvent on les trouve pas. La dernière fois je l'avais trouvé en rose, j'étais pas sûre, mais c'était bien cela que Aziza nous avait partagé. Donc c'est un super bon plan. Si en fait ce sont des dupes des chiffons Elbeis,
pour nettoyer, pour faire briller toutes les surfaces, la vaisselle, etc. Donc moi je crois que j'en ai déjà 3 et ça m'en fait 2 en plus. Donc franchement, moi j'en laisse un pour le Thermomix, un pour la vaisselle, un pour les vitres aussi, parce que j'aime bien les vitres, ça nettoie super bien. Il faut en fait le mouiller, nettoyer et après ça sèche. Voilà, mais après, si ça vous dérange, vous pouvez en passer un mouillé et un sec. Ensuite, je me suis pris du sirop d'agave. Ça fait longtemps que j'en avais plus repris parce que voilà, ils avaient dit que rien ne valait le sucre, que tout, enfin, que tous les sucres se valaient. Donc je me suis dit, bon, après moi, je prends de l'érythritol sur Amazon. Mais là, en fait, sur Weight Watchers, sur WW, c'est mieux. Du coup, je me suis dit, allez, tu y viens. Je suis trop contente, j'ai retrouvé les petits sirops façon sirop Monin. Je sais pas si vous connaissez. Ça c'est génial pour aromatiser un petit peu vos cafés chauds et vos chocolats. Donc vous avez amaretto, c'est ce qui équivaut à de l'amande amère il me semble. Le vanille et le hazelnut. Le hazelnut je le kiffe, c'est le noisette. Et celui-ci, l'amaretto, je le kiffe dans les pâtes. Lorsque je fais, vous savez, les galettes des rois. Donc les galettes à la frangipane, je kiffe mettre ça dans le mélange de pâte d'amande et crème pâtissière. Ensuite, le ticket, il est là, faut pas que je le perde, faut que je le mette quelque part pour le retrouver facilement. Moi et ma tête, je vais le mettre là, tiens, le tiroir, il est vide. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris une recharge, j'ai pas retrouvé mon savon pour les mains, que j'aime bien prendre d'habitude, et comme j'ai toujours le contenant, je me suis dit que j'allais prendre une éco-recharge. Ça coûte pas très cher et franchement c'est bien quoi. Nettoyant de beauté crémeux pour les mains protégées et douces, il fait 500 ml et c'est de la marque Dove et je l'aime bien celui-ci. Donc voilà pour ça, j'ai acheté quand même pas mal de trucs hein. J'en ai eu pour 37 €, je vous ai pas dit, donc ça va franchement. J'ai fait le plein de brosses à dents, ça c'est top. Donc ça c'est pour Nassim parce que lui, les brosses à dents, je sais pas ce qu'il en fait. À chaque fois je suis derrière à courir, j'en trouve dans tous les coins de la maison. Les coins vraiment improbables. Hein. Donc là ce sont des brosses à dents, il me semble, oui, ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans. Mince. Et les enfants âgés de 8 ans et moins doivent utiliser cette brosse à dents uniquement sous la surveillance d'un adulte. Ah ouais, c'est nouveau, bon bref. C'est pas grave. Et ensuite, pour moi, j'ai pris celle-ci au poil souple. Super important. Mais j'aurais dû prendre poil fin, j'aime bien. Bon, c'est pas grave. Aide à faire blanchir les dents. Et c'est les Max White de Colgate au charbon. Il y en a 2. Voilà, donc une pour mon mari, une pour moi. Ensuite, je retrouve plus mon... Vous savez, mon savon liquide au savon de Marseille, il sentait tellement bon que je mettais dans le Tineco. Du coup, j'ai trouvé celui-ci. C'est une nouveauté. Hein. C'est le Citronella de la marque Rio, c'est un nettoyant tout usage, et en fait ils disent non dilué, ouais mais moi je le dilue, hein. Ben, on est obligé de le diluer dans le Tineco. Ça sent le citron, mais ce qui est bizarre, c'est que ça, moi je trouve que ça sent la fourmi. Dites-moi si je me fais des films, ça sent supra fort, bon à diluer, hein. Et ça m'a l'air d'être quand même un petit peu concentré, hein. Donc bon, à diluer. Ensuite, bien évidemment, des lingettes Guise. J'ai eu peur parce qu'il y avait un gros stock de bleu et il n'y en avait que quelques-unes de vertes. Donc à mon avis, tout le monde est d'accord avec moi, les vertes c'est les meilleures. Par contre, il n'y avait pas de rose. Ensuite, avant-dernier article, c'est cette petite gourde pour bébé parce que j'ai commencé il y a bientôt 15 jours, ouais, ça va faire 15 jours. J'ai commencé la diversification alimentaire. Et je me suis dit que j'allais lui prendre une tasse parce que j'ai des biberons, mais il n'arrive pas. En fait, il veut téter comme un sein. Mais non, en fait. Du coup, je me suis dit, je vais lui prendre ça. C'est à partir de 6 mois. Bon, il a 5 mois et des poussières. Donc, écoutez, on verra bien ce que ça vaut. Et enfin, les derniers articles, je suis allée vraiment pour ça. Chez Action. Je l'ai vu sur Instagram, en fait, il y a une fille qui avait partagé, alors je crois que c'est Deco with Nora, je suis plus sûre, c'est la sœur de Salima Aliani. Et en fait, elle avait dit qu'elle avait trouvé des pépites de chocolat. Donc j'ai pris chocolat noir, chocolat blanc et chocolat au lait. Parce que les pépites pour les cookies, même dans des banana bread et tout, ça passe super bien en fait. Et là, j'en avais plus, donc ça tombe super bien. Donc ils font 200 grammes chacun. Et c'est de la marque Excelsium Tradition et c'est les Cooking Chocolate.
Voilà. Franchement, top, top, top. Et je crois qu'il coûtait pas très, très cher non plus. Je vais pas vous dire de bêtises. Donc, voilà la team pour mon haul action du mois d'octobre. J'espère que ce sera le premier et le dernier du mois. On verra bien si j'ai besoin de quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!